Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fabriquer la chaufferette. Alors pour fabriquer cette chaufferette, vous aurez besoin de la dynamite et de la poignée de tyrolienne. Si vous ne savez pas comment obtenir ces deux objets, j'ai mis une playlist en description avec tous les tutos de cette map, donc n'hésitez pas à aller check si jamais ça vous intéresse. Ensuite, quand vous avez ces deux objets, rendez-vous à l'entrée du complexe. Placez la dynamite sur cet obstacle et ensuite récupérez le générateur du propulseur. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de réparer ce propulseur. Pour le réparer, rendez-vous tout en haut du phare et donnez-le à l'ermite. L'ermite va le réparer en quelques instants, allez le récupérer dès que c'est fait. Quand vous l'avez récupéré, retournez à l'entrée du complexe et placez le générateur près du propulseur. À ce moment-là, vous allez devoir vous propulser de trois façons différentes. La première façon, c'est de se mettre tout à droite du propulseur. Ça va vous propulser sur une caisse en bois, ensuite récupérer l'objet qui s'y trouvera juste en dessous. Ensuite, propulsez-vous en étant en plein milieu du propulseur. Ça va vous propulser sur une deuxième boîte, là aussi récupérer la pièce qui s'y trouve juste en dessous. La troisième façon, c'est de se placer à gauche du propulseur pour être propulsé sur une caisse qui se trouvera à gauche de la map. Et là, pareil, récupérer la pièce qui se trouve en dessous de cette caisse. Quand vous avez récupéré ces trois pièces, allez fabriquer la chaufferette à une table de craft. Ensuite, équipez-vous-en. Alors, cette chaufferette vous sert à vous déplacer plus rapidement dans l'eau et à moins vite vous congeler quand vous serez dans l'eau. C'est un petit accessoire assez pratique pour cette map. Donc voilà qui termine ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo mec et ciao. Peace.